partager pour que ce message-là rentre bien dans l'oreille de Colonel Mamadi Doumbouya. Quand j'entends parler les escrocs, les menteurs, les voleurs qui sont assis sur les réseaux sociaux, qui sont au pays encore là-bas, qui disent de n'importe quoi. On t'a dit, tu vas venir, tu vas pas faire 7 mois. Les Guinéens vont te montrer comment ils sont. Tu vas venir, tu vas faire telle chose. Les Guinéens vont te montrer comment ils sont. Je veux vous faire comprendre que là où on est aujourd'hui, c'est vous qui n'aimez pas la Guinée qui parle comme ça. C'est vous qui n'aimez pas la Guinée qui parle comme ça. Qui n'aime pas bonne chose celui? Dites-moi, vous qui ouvrez vos gueules là, je vais vous insulter. Celui qui est homme ou bien femme, il n'a qu'à sortir pour me parler, de dire que je l'ai insulté. Vous qui dites que colonel, vous avez dit à colonel Doumbouya, il ne va pas faire 5 mois, il ne va pas faire 6 mois. Les Guinéens vont montrer leur comportement. Je veux vous faire comprendre que qui n'aime pas bonne chose, celui qui ne veut pas voir son pays en avance. Quand vous vous asseyez ici avec votre escroquerie là, si vous ne pouvez pas parler quelque chose qui peut avancer le pays là pour nous, fermez vos gueules là, s'il vous plaît, mes frères et sœurs. Fermez vos gueules là. C'est pas bon. L'état de la Guinée, façon dont que ça est là, si vous n'avez pas honte, nous on a honte de voir ça. On a honte de voir la Guinée comme ça. On a honte de voir la Guinée comme ça. C'est ça qui est la vérité. Si vous n'avez pas honte de voir la Guinée comme ça, si vous n'aimez pas la Guinée comme ça, là, enlevez vos bousses dedans, s'il vous plaît. Enlevez vos bousses dedans. Tellement que vous êtes méchant, tellement que vous êtes méchant, vous ne voulez pas laisser la place à vos prochains. L'affaire de la Guinée, regardez ce qui se passe chez les autres. Et ils ont terminé. Quelque chose qui s'est commencé seulement, ça n'a même pas fait 2 semaines. Voilà qu'ils se sont assis pour discuter et cette chose, bientôt, ça va prendre fin. Beaucoup est réglé dedans maintenant. Vous-même, venez voir comment ils ont maltraité nos parents africains là-bas. On dit à Malinké que quand il voit le gros oiseau qui mange les corps humains, là, que quand il voit sous la tombe de ton ami, il ne faut pas dire seulement que ça tombe, il faut dire que notre tombe. Vous-même, regardez ce qui s'est passé là-bas. Regardez comment nos parents africains, là, il fait froid là-bas. Il fait froid à Ukraine. Nos parents quittent là-bas pour venir en étranger ici. Hein? On voit ça aujourd'hui là-bas. Et si demain, que Dieu nous en garde, quelque chose arrive aux États-Unis. Birinwa masiga fe awanyi. Hamuta awanyi la Guinée muyala. Musra mané minde. Hamuta awanyi la Guinée tenana musra mané minde. Wo muhak li sotoma. Wo réseau social matofe. Matin, midi, soir. Vous ne pouvez pas prendre des leçons là-bas pour changer. Vous ne pouvez pas prendre des leçons, c'est les autres pour changer. Vous pensez que c'est la méchanceté qui va développer la Guinée? Vous êtes trop méchants.
Vous êtes méchant. Sangé. Colonel Doumbouya. Tu as bien fait d'enlever Alpha Condé là-bas. Parce que vous-même, vous avez vu que... Même les RPGistes, ils ont vu que... Alpha Condé, qu'ils ont envoyé là, il n'a pas honoré. Il ne les a pas honorés. Et comme c'était un groupe de bandits, parce que groupe de bandits là, ils vont rien faire, c'est pour voler seulement. C'est ça qui est la vérité. C'est pour voler. Vous n'êtes pas venus pour travailler. Vous êtes venus pour diviser les populations, mentir à les populations, prenez ce que vous voulez. Et c'est pourquoi la terre de la Guinée est bénie. Vous avez terminé dans la honte. C'est pourquoi vous avez terminé dans la honte. Et n'importe quelle personne, même le président Sélou Dalin que je supporte aujourd'hui, matin, midi, soir, moi je ne suis pas sauge, comment dirais-je, comment on appelle. Je sors dans une grande famille. Il y a Malinké dans ma famille, il y a Soussou dans ma famille, il y a Peul dans ma famille. Donc ça fait que l'affaire Deltino, je ne connais même pas. Je prends tout le monde comme un pied d'égalité. Je prends tout le monde comme un pied d'égalité. Parce que il n'y a rien dans ça. Il n'y a rien dans ça. Même l'Amérique qu'on vit ici aujourd'hui, là, il y a combien de races ici en Amérique? Quand tu comptes. Mais chacun est libre de faire sa liberté ici. Il faut marcher seulement sous leur loi, il n'y a pas de problème. Tu vas vivre comme si tu es chez toi. Dieu n'a pas... comment dirais-je? Rendre la vie difficile pour nous. Il ne faut pas que nous-mêmes, on rende la vie difficile pour nous-mêmes. Arrêtez, changez pour que le pays là aille en avance. Colonel Doumbouya, tu n'es pas quelqu'un comme Alpha Condé, parce que Alpha Condé est venu en France. J'ai appris qu'il avait 15 ans ou voilà, venu grandir par là. Mais toi, peut-être tu es quitté en Guinée vers les 30 ans et qu'elle pour venir par là. Donc tu connais tout. Tu ne peux pas dire que tu es étranger. Moi-même, je pensais que tu avais longtemps duré par là. Mais tu connais tout. Parce que j'ai vu certaines de tes photos. Tu ne peux pas dire que tu ne connais pas la Guinée comme ta main. Nous, on ne doit même pas te dire des choses parce que tu connais tout. Ce que je que vous êtes dedans là, je vous ai bien dit que la Guinée, vous avez manipulé les Guinéens. Vous avez mis la haine dans le cœur des Guinéens. Vous avez divisé les Guinéens. Ça fait que les Guinéens ne peuvent même pas apprécier quelque chose. Ils préfèrent apprécier les choses des autres plus que leur propre chose. Si tu vois les Guinéens en train d'apprécier ce que les autres font, c'est eux. Ah non. Et même si on fait la même chose que lui, il ne va même pas apprécier. C'est pas bon. Il faut qu'on change la famille. Il n'y a rien dans ça. On doit se respecter. Tu dois connaître la capacité. Si ton ami a l'intelligence plus que toi, là, il faut lui donner cet respect. Ça va te faire quoi? Ça va te faire quoi? Vous êtes là matin, midi, soir à mettre
battant sous la route des bonnes personnes. Colonel Doumbouya, vous êtes venu là-bas depuis que 6 mois. 6 mois n'est pas 6 jours. Quelqu'un qui, un aventurier qui quitte en aventure pour rentrer chez lui, pour aller construire la maison de son papa, quand il rentre, il ne doit pas demander qu'est-ce qui s'est passé ici. Parce que tu sais que tu es venu prêt. Ce que tu dois faire pour que les choses, tout le monde soit content, c'est ça que tu dois faire. Tu n'as pas à écouter Paul ni Pierre, quelqu'un qui veut réellement que son pays aille en avance. C'est comme ça que tu dois te comporter. Parce que si tu t'assois pour que tu vas demander toutes les choses, c'est des choses qui sont déjà passées. Qui sont déjà passées. Pour moi, tu dois au moins regarder les personnes qui ont fait le bon travail sous la terre de la Guinée. Même si ils ont pris peu, mais si ils ont fait un bon travail, je pense que tu dois faire travailler avec des personnes comme ça. Pas des personnes qui sont là seulement, qui veulent seulement que leur poste soit rempli. Excusez-moi. Hello? Hello, Lee? Yeah. Yeah, how are you? I'm fine. I'm at work. Call me. Show me the style, then I will tell you the price, okay? I call you later. Just text me, okay? Yeah, okay. Donc, c'est ça la famille. On ne va pas continuer à parler matin, midi, soir, matin, midi, soir. Colonel Doumbouya, votre 6 mois là, on n'a rien compris. Rien de tout. Ce n'est pas parce qu'on t'a appelé quelque part pour que tu viennes nous aider. Ça s'est passé devant toi. Tu ne dois pas nous retarder sous les sauges. Tu ne dois pas nous retarder sous les sauges. C'est ça qui est la vérité. Il faut voir les choses, tu organises l'élection. Si c'est Paul qui va gagner là, tu donnes à Paul. Si c'est Pierre, tu donnes à Pierre. Pour que la Guinée quitte dans cette situation. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver demain. Même si les choses passent bien, même si les choses sont finies, à Ukraine là-bas, là. Mais comme tu ne parles pas, même pas Soussou là, je vais parler en français. C'est fini. Mais tous les Africains qui ont eu souffrance là-bas, là, quand les choses vont commencer, beaucoup vont rentrer chez eux. Ils vont préférer aller même vendre, même charbon chez eux, est plus bon que ça. Regardez nos frères. Comment ils sont d'anaise là-bas? Et vous êtes là-bas au lieu d'arranger le pays pour nous. Regardez. Regardez ici. Hein? Regardez comment ils sont assis au dehors. Hein? Regardez. Regarde la fille là. Et sa valise. Regarde. Ils sont. Rien ne bouge. Les Guinéens qui sont là-bas, là, ils vont rentrer chez eux encore, aller trouver que vous êtes là à traîner sur quelque chose que vous pouvez faire seulement matin, midi, soir comme ça pour que les gens quittent assis sous la maison, pour que les choses commencent à aller. Le Guinéen est fatigué. Les vrais Guinéens, je ne dis pas les faux qui sont dedans, qui profitent. Sous les pauvres personnes, je ne dis pas les gens là. Parce que ils sont dedans,
Ils ne cessent même pas à arranger. Ils veulent seulement que ça continue dans ça parce que c'est dans ça que ils veulent. Ils s'en fichent sous les autres pauvres personnes. Et ça ne peut pas continuer comme ça. Nous, on n'est pas là pour l'affaire des racistes. Nous, on veut voir maintenant le pays là. Si c'est un soussou qui peut développer pour nous, il n'a qu'à développer pour nous. Si c'est un malinké qui peut développer pour nous, il n'a qu'à développer pour nous. Si c'est un peuple qui peut développer pour nous, ou bien un forestier, pour qu'on quitte ici. C'est très important. Il faut organiser l'élection. Le peuple va choisir ce qu'il aime. Et puis les choses vont commencer. Vous êtes là à organiser des choses. Vous n'avez même pas de plan. Quand vous vous mettez dans la sauce de fée, demain on vous voit dans la sauce de gombo. Après demain, vous êtes dans la sauce. Ça, c'est quelle transition qu'on ne comprend pas. On n'a qu'à se dire la vérité. Moi, je suis Thomas, je n'ai pas peur de dire la vérité. Je vous ai bien dit que la Guinée, c'est sous moi. Si je sais que c'est un soussou qui est compétent, qui peut développer la Guinée, je vais applaudir sur le soussou-là. Si je sais que c'est un peuple qui peut développer la Guinée, je vais m'applaudir sur le peuple. Je veux quelqu'un qui peut travailler le pays pour moi. Moi, je ne suis pas là pour dire il faut que ça soit mon ethnie ou bien il faut que ça soit mon parent. Je ne suis pas dans ça. Il faut que vous allez sortir dans ça. Quelqu'un qui peut avancer la Guinée pour nous, on doit ouvrir les yeux pour suivre l'intéressé. C'est ça qui est la vérité. Là où on est comme ça, là, c'est quelqu'un qui peut travailler pour nous. On ne veut pas quelqu'un qui peut venir seulement voler l'argent et puis venir nous donner un peu, un peu. Vous avez duré dans ça. Vous avez affaibli les jeunes filles et les jeunes garçons dans ça. Quand tu vois une jeune fille en Guinée, je m'en vais, c'est mon tonton. Je m'en vais voir mon grand. Vous pensez que, façon dont nos générations ont passé dans ça, là, c'est comme ça, les autres vont venir passer dans ça. Changer. Changer. C'est ça qui est la vérité. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut que le pays là sorte dans cette situation. Mettez dans votre tête que la Guinée, c'est pour nous tous. Arrêtez votre méchanceté, arrêtez l'affaire d'être nous là. Ce n'est pas bon, ça avance pas un pays. Si vous voulez dans votre communauté, allez faire ce qui est là-bas. Mais c'est ce qui appartient à nous tous là. On doit encore organiser ça bien pour avancer le pays ensemble. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité, la famille. Donc, Sangé. Sangé et Colonel Doumbouya, il faut organiser l'élection là pour nous. On va quitter ici. Burkina, ce n'est pas comme la Guinée. Et ils sont en avance plus que nous. Et ils savent quoi faire. Pour nous, là, rien n'est en ordre sur nous. Rien. On va durer pour aller, même un an, ça va faire quoi? Hein? C'est quand un pays est bien construit qu'on doit dire que oui, il y avait tel travail, on faisait ça, il faut que tout soit en ordre. La Guinée même qui n'est même pas construite. Allez-y sur le chemin que le peuple veut. Le peuple vous a applaudi, mais si vous ne partez pas le chemin que le peuple veut, il va révolter. Il va révolter, c'est ça qui est la vérité. Nous, on veut quelqu'un. Si tu as vu qu'on s'est levé contre Alpha Condé, c'est parce qu'il ne faisait pas les choses comme on veut. Et toi qui as vu ça, qui est venu lui faire quitter, tu veux encore jouer le même rôle? Mais on va pas prendre ça.
On ne va pas prendre ça pour quelqu'un maintenant. Ça, c'est fini. Je ne dis pas les escrocs qui sont parmi nous, qui sont durés dans leur manipulation là, et ils veulent seulement qu'on les paye pour qu'ils puissent venir s'asseoir ici, dites n'importe quoi. Nous, on n'est pas dans ça. On veut voir notre pays joli. On veut voir les jolis bâtiments. On veut que le courant dort sur nous matin, midi, soir, même si on paye par mois. On veut les sociétés, c'est nous. On veut que la richesse qui est, c'est nous. On va construire notre pays dans ça. Pour qu'on soit en l'aise. C'est ça qui est la vérité. Vous ne pouvez pas venir vous asseoir comme ça là, quand vous vous levez le matin et puis vous vous organisez, quelles choses on va encore soulever. Vous avez fait sortir le président Selou Dalé et Sidi Atouré dans leur maison. Où est-ce les autres? Vous êtes là, c'est deux personnes que vous allez prendre leur problème pour mettre ça aujourd'hui. Demain encore, vous allez prendre. Si vous êtes venu pour ça là, tout le monde doit être dedans. Tous les gens qui méritent ça là, vous devrez faire ça en même temps même. Vous n'avez pas de plan. Moi, je vous dis la vérité. J'aime mon pays et c'est là-bas que j'ai grandi. Je connais beaucoup de choses. Prenez le bon chemin, on va quitter ici. Et puis les choses vont aller en avant. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. On va vous attendre. Vous allez nous donner quoi? Qu'est-ce que vous allez nous donner? La population ne fait que souffrir. La population ne fait que souffrir. Ils vont vous attendre jusqu'à quelle chose? Alpha Condé qui a fait 11 ans, rien n'a changé sauf souffrance. Vous allez venir encore retarder les choses. Pourquoi? On n'a qu'à se dire la vérité. Vous allez venir retarder les choses. Pourquoi? Voyez entre vous là-bas. Le Guinéen de hier, là, ce n'est pas Guinéen qui est là aujourd'hui. Développer notre pays là, c'est ça que nous on veut. Mettez les choses sur le bon chemin. Arrêtez de prendre nos parents comme si ils ne connaissaient rien. C'est pas bon. Nos parents qui sont à Soj, comment dirais-je, à Ukraine là-bas, quand ils vont se retourner, ils vont venir encore tomber dans la même chose comme ça là. Ça fait honte. Changez et prenez le bon chemin, colonel Doumbouya. C'est tout ce que moi je peux vous dire. Vous êtes âgé plus que moi, 10 ans. Je ne vais pas vous mentir. Mettre la Guinée sur le bon chemin, c'est tout ce que je peux vous dire. Je veux quelqu'un qui peut développer la Guinée pour nous. Même le président Selou Dalé que je supporte matin, midi, soir. Demain, s'il est à la tête et qu'il se comporte comme Alpha Condé, c'est moi-même qui va venir ici là pour vous parler. C'est ça qui est la vérité. On veut quelqu'un qui peut faire le bon travail. Tout le monde aime quelqu'un qui fait le bon travail. C'est ça qui est la vérité. Il n'y a pas affaire de racisme dans ça. Les gens qui sont assis, qui passent l'affaire de racisme là. Nous, on est loin de là-bas. Nous, on veut que le pays là aille en avance. Parce que si ça est en avance demain, toi, tu vas sourire. Moi, je vais sourire. Les routes là, tu vas rouler là-dessus, je vais rouler là-dessus. Ça va nous donner la joie. Ça va nous donner la joie. C'est ça qui est la vérité. Vous qui vous asseyez ici là pour dire que c'est rentré, c'est sorti. Toujours parler des mots qui peuvent mettre la haine dans la tête des gens. C'est pas bon, changez. Le pays là n'est pas joli à voir comme ça. Si vous n'avez pas honte là, c'est votre poste que seulement vous regardez là. Nous, on n'est pas là pour ça. Moi, je ne prends aucun 5 francs. Selou Dalé ne m'a pas payé pour que je m'assoie ici pour lui féliciter. Parce que j'ai vu que c'est son temps qu'il a fait là-bas. Là. J'ai vu le bon travail qu'il a fait. Et c'est à travers de ça que je lui supporte matin, midi, soir. C'est à cause de ça que je lui supporte matin, midi, soir. Et même quelqu'un d'autre, je vois quelqu'un d'autre qui vient encore demain, qui fait un bon travail, c'est comme ça que je vais faire. J'aime les gens qui travaillent bien. J'aime pas quelqu'un qui me donne l'argent pour m'affaiblir.
pour refuser de me donner quelque chose qui peut me donner la joie. Vous avez fini l'université là-bas, vous êtes assis. Vos diplômes là sont avec vous là-bas. On ne vous donne pas de travail. C'est pour vous manipuler avec les 200 000, 1 million. Ça va vous donner quoi? Ça va vous donner quoi? Enceinte nos soeurs, venir payer maison ici, là, l'air déposé. Beaucoup sont dans la maison là, ici, là, aujourd'hui. Même pour payer les impôts, c'est difficile. C'est difficile. Donc, changez. Travaillez le pays. Arrêtez de voler et travaillez le pays là pour nous. C'est très important parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver demain. On ne sait pas ce qui va arriver demain. Au moins, quand tu rentres chez toi, c'est joli. Au moins, tu as la paix du cœur. Mais ça va pas chauffer là où tu es. Et tu veux rentrer chez toi encore, rien n'est arrangé. Problème, futilité comme ça, là, on prend ça seulement pour parler ça matin, midi, soir, juste pour occuper les populations. Ils sont là à voler. La Guinée, c'est pour vous et travailler pour nous. 11 ans, c'est pas 11 jours. 11 ans, c'est pas 11 jours. Les voleurs comme ça, là. S'il vous plaît, arrangez la Guinée pour nous. C'est tout ce que moi, je vais vous dire. Matin, midi, soir. Et vous, ce que vous oubliez, ce que vous oubliez même là. La Guinée, on se connaît. Même si les gens qui sont avec toi là-bas, là, tu oublies que nous, nos connaissances sont avec vous matin, midi, soir. Tout ce qui se passe là, nous, on est au courant. C'est parce que on ne veut pas parler beaucoup. Donc, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas vous casser. Massez sur le bon chemin, on va quitter ici. Pour que le pays là aille en avance. C'est tout ce que moi je peux vous dire. Donc, la famille, les bons Guinéens, je ne dis pas les escrocs, les bons Guinéens qui me regardent ici matin, midi, soir, donnez-nous la main, c'est l'union qui fait la force. On n'a pas quelque part, c'est la Guinée qu'on a. C'est la Guinée qu'on a. Donnez-nous la main pour développer la Guinée ensemble. C'est tout ce que je peux vous dire matin, midi, soir. N'écoute pas les payants qui sont sur les réseaux sociaux, qui parlent des problèmes qui peuvent nous diviser. Qui peuvent nous diviser. Donc, ne les écoutez pas. Il faut aimer ton ami. C'est ça qui est important. Arrêtez d'écouter les sataniques là. Et ils sont payés juste pour faire ça. Juste pour faire ça. Parce que c'est dans ça et ils gagnent. Donc, s'il vous plaît, nous les bons Guinéens, donnez-nous la main, c'est l'union qui fait la force. Et protégeons la Guinée. Il ne faut pas qu'on laisse la Guinée dans la main des ennemis. Il ne faut pas qu'on laisse la Guinée dans la main de nos frères ennemis qui sont là, qui ne veulent pas que le pays aille en avance. Donc, c'est tout ce que je peux vous dire matin, midi, soir.